an de grâce 900 après Jésus-Christ. Charles III le Simple est alors roi de Francie occidentale. An de grâce 910 après Jésus-Christ, un grand du royaume, Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine, comte d'Auvergne, de Bourges, de Mâcon, du Limousin et de Lyon, ainsi que d'autres, octroie une villa, donc un domaine, et tous les biens qui en dépendent, c'est-à-dire les domaines, chapelles, serres de l'un ou l'autre sexe, vignes, champs, prés, forêts, plans d'eau et cours d'eau, moulins, chemins d'accès et de sortie, terres cultes et incultes, le tout en intégralité. Situé près de Mâcon, à l'abbé de Baume-les-Messieurs et de plusieurs monastères, en ayant l'espérance que ce don lui permettra d'échapper à trop d'années de purgatoire. L'abbaye se développe, elle s'enrichit. L'abbé Bernon entame la construction d'une première abbatiale. Elle sera terminée sous son successeur, Audon, en 927. En 931, l'abbé Audon obtient du pape Jean XI que l'abbaye soit reconnue comme chef d'ordre. L'abbaye continue à se développer et à s'enrichir. La première abbatiale devient vite trop petite et en 948, l'abbé Aymar Ier décide la construction d'une nouvelle abbatiale digne de ce qui est devenu Cluny, qui ne sera achevée qu'en 981 sous l'abbé Mailleul de Cluny. Mètres de long. Le chevet de l'église a été monté en voûte en pierre. Il est le premier exemple de voûte à une telle échelle dans un édifice religieux. Les bâtiments conventuels que l'on voit aujourd'hui datent d'environ 1750. Ils abritent depuis 1901 un campus des arts et métiers. C'est le cloître de ces bâtiments du XVIIIe siècle qui occupe la majeure partie de l'espace qui était autrefois l'abbatiale Cluny II, aujourd'hui entièrement disparu. C'est dans la partie orientale de ce cloître que se trouvait l'abbatiale, en bleu sur le plan du cloître. En rouge, sur ce même plan, la salle capitulaire. Cette salle, qui a fait l'objet de recherches archéologiques récentes, a fait apparaître des restes de Cluny II. Et notamment l'embase de l'autel qui se trouvait très certainement au milieu de l'abside. Cet autel était l'élément fondamental de l'abbatiale. Il contenait un reliquaire avec les restes de Saint-Pierre et de Saint-Paul, ce qui faisait de Cluny une nouvelle Rome, puisqu'elle conservait en son sein les restes du créateur de l'Europe romaine. Ces reliques attiraient de l'Europe entière des pèlerins, ce qui faisait la richesse de l'abbaye de Cluny. Pèlerinage, donation, rattachement de prieurés et d'abbayes prestigieuses, l'ordre de Cluny ne cesse de grossir et de s'étendre. À la fin du XIe siècle,
En 1088, 10 000 moines sont ralliés à l'ordre clunisien, de Grande-Bretagne, d'Italie, d'Espagne. Cluny règne sur 450 monastères, 1500 prieurés. L'abbaye, pourvue de propriétés immenses, s'enrichit de plus en plus. Elle veut consacrer son opulence à la gloire de Dieu, et c'est son sixième abbé, Hugues de Sémur, qui va décider d'entreprendre la construction d'une nouvelle abbatiale, plus grande, plus belle. Rien n'est trop beau pour rendre gloire à Dieu. L'ordre de Cluny accumule les richesses pour élever et entretenir des sanctuaires magnifiques. Cette nouvelle abbatiale, que Hugues de Sémur veut splendide, va en fait engloutir toutes les ressources de l'ordre clunisien et paradoxalement participer à sa décadence. En 1088, la première pierre est symboliquement posée. En fait, le chantier a commencé déjà depuis quelques années. Le 25 octobre 1095, le pape Urbain II consacre solennellement le maître-autel de la basilique en construction. Le chantier durera jusqu'en 1130. C'est à cette date que la nef est terminée et que l'église est dédicacée. L'abbatiale était néanmoins loin d'être achevée. Les tours et l'avant-nef furent commencés à cette période-là, mais le chantier fut interrompu au cours de la deuxième moitié du XIIe siècle. Ce n'est qu'en 1220 que l'on vit l'avant-nef immense terminée par l'abbé Roland Ier. 187 mètres de longueur, une quarantaine de mètres en élévation sous la coupole du grand transept, 5 nefs, 2 transepts, 301 fenêtres, 5 clochers. L'abbatiale de Cluny, la Maior Ecclesia, devient alors, pour 3 siècles, le plus grand édifice religieux d'Occident. Jusqu'à la reconstruction de la basilique Saint-Pierre de Rome en 1506. Au XIe siècle, l'habitat était essentiellement constitué de cabanes avec un toit en fourrage et un trou au milieu pour la cheminée ou pour le four. Les châteaux en pierre n'existaient pas, ils seront construits pour la plupart à partir du XIIIe. Il s'agissait en fait de ce qu'on appelait la motte castrale, c'est-à-dire un donjon en bois sur une élévation de terre, naturelle ou artificielle, entourée d'une palissade en bois et d'un fossé rempli d'eau. Imaginez donc ce que les habitants de ces châteaux ou de ces maisons ressentaient lorsqu'ils pénétraient dans la Maior Ecclesia. Mais Maior Ecclesia n'existe plus. C'est ici que se dressait la gigantesque abbatiale, dont il ne reste aujourd'hui que les embases de quelques colonnes. Il ne reste plus de nos jours que 8% de l'édifice initial. Elle n'a pas survécu à la Révolution. Le mobilier et les objets de culte furent vendus. Le domaine de l'abbaye lui-même fut vendu en 1798. En dépit de diverses initiatives lancées pour protéger l'abbaye de la destruction, son abbatiale fut démolie. C'est le 8 mai 1810 que l'on fit exploser la façade et le grand portail.
L'abbaye servit ensuite de carrière de pierre jusqu'en 1813 pour les maisons du village. Alors que reste-t-il à voir à Cluny? La vieille ville de Cluny? Les bâtiments conventuels du XVIIIe siècle? Le reste de l'abbatiale, les fameux 8%, ainsi que les découvertes archéologiques réalisées depuis les années 1950, notamment les embases des grandes colonnes, qui sont très impressionnantes. Les restes d'un des transepts qui donne une idée de l'immensité de l'édifice. Des trouvailles lors des différentes restaurations et recherches archéologiques, colonnes emmurées dans d'autres bâtiments. Yeah.
la chapelle Jean de Bourbon, abbé de Cluny, de 1456 à 1481, donc le 15e siècle, c'est une chapelle gothique flamboyante. La salle des reliquaires. Et surtout le farinier, bâtiment médiéval qui servait à entreposer les marchandises, blé, vin, farine, nécessaires à l'alimentation des moines de l'abbatiale. Ce bâtiment est très bien conservé. Et présente une magnifique charpente en forme de carène de bateau inversée, identique à la charpente du dortoir des moines de l'abbaye de Fontenay. C'est dans la salle de l'étage du farinier que l'archéologue qui a redécouvert Cluny entre 1922 et 1975, qui a fait les premières fouilles, Kenneth John Conant, a présenté sa vision du déambulatoire. Vous pourrez également y voir tout un tas d'autres choses, d'autres vestiges. Mais surtout, le magnifique film projeté sur grand écran et en 3D, Maior Ecclesia, reconstitution numérique de l'histoire de l'abbaye Cluny.